Eh bien, salut tout le monde, c'est Obijawa, j'espère que vous allez bien. Écouter moi, ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à afficher le petit i comme ça et à rajouter les choses dedans. Donc voilà, donc c'est parti. Donc déjà, rendez-vous sur un PC et rendez-vous sur la page d'accueil de votre chaîne. Allez dans Gérer les vidéos, voilà, vous cliquez, ça va vous amener sur cette page, le contenu de votre chaîne, voilà. Vous allez cliquer sur Détails, juste ici. Cliquez sur Détails. Donc là, ça va faire un petit chargement. Allez, tu peux y arriver, petite vidéo. Donc en tout cas, si vous aimez les tutos pour vous apprendre des choses concernant votre chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'en demander de nouveau dans les commentaires. Et voilà, tout simplement, je me ferai un plaisir de vous en refaire. Donc voilà, vous arrivez sur votre page comme ça, avec votre description, votre titre, vos écrans de fin, votre fiche, et tout et tout. Ok, désolé, j'ai eu un petit contretemps, désolé, c'est bon, c'est réglé. Donc, je disais, une fois que vous êtes sur cette page, du coup, vous allez dans vos fiches, juste là, il y a écrit fiche, vous cliquez sur le petit crayon, et vous allez arriver sur un panel comme ça, avec plein de paramètres. Alors, donc déjà, vous allez choisir un type de fiche. Donc là, c'est pour choisir à quel endroit vous allez mettre votre fiche. Imaginons. C'est un tuto et je sais pas, vers 45 secondes, vous dites j'ai également fait une vidéo sur tel sujet. Vous allez cliquer sur vidéo et imaginons, vous dites j'ai également fait une vidéo sur une autre vidéo sur Trove. J'ai fait un autre live sur Trove, voilà. Et je vous invite à aller le voir. Vous pouvez cliquer juste en haut à droite, donc vous allez mettre cette vidéo à ce moment. Et ça va afficher à ce moment-là de la vidéo une petite fiche comme ça. Regardez. Alors, on va pouvoir faire comme ça. Enlever le son. Et là, la vidéo va se lire. Et là, d'un coup, il y a une petite fiche qui va s'afficher comme ça. On se fait carry sur Trove par cet enfant. Et après, normalement, elle va s'enlever toute seule. Voilà. Elle s'enlève toute seule après. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très très efficace les fiches, les amis. Sachez-le. D'ailleurs, je vais en rajouter. Ensuite, au niveau des fiches, vous pouvez rajouter également des playlists. Donc si vous dites j'ai une playlist Minecraft qui pourrait vous intéresser. Donc moi j'ai ma petite playlist avec plein de vidéos Minecraft. Voilà, vous faites ajouter à chaque fois. Vous pouvez également mettre un texte. Alors message personnel, vous pouvez mettre n'hésite pas. Mince, pourquoi j'ai mis une parenthèse? N'hésite pas. À aller voir mes vidéos Minecraft. Ah, je sais pas écrire. Minecraft, voilà. Ah mince. Je peux pas faire 47, faut que j'en fasse moins. On va mettre check. Check mes vidéos Minecraft. Hop. Et voilà. Donc là normalement ça va nous mettre du coup. Donc là on va avoir notre vidéo. Attention, petite fiche personnalisée qui apparaît. Et si on clique dessus, on va avoir check mes vidéos Minecraft. Voilà. Voilà, ça peut vous faire plus de vues sur vos vidéos, sur vos playlists, tout ça. Donc vous pouvez également rajouter, si vous faites une vidéo avec un ami, sa chaîne, juste là. Imaginons que je fais une vidéo avec Squeezie. Ce qui n'arrivera probablement jamais, mais voilà. Vous pouvez cliquer et ça ajoute sa chaîne. Donc je vais pas le faire, hein, parce que je vais pas mettre la chaîne de Squeezie dans ma vidéo, quoi, ça n'a pas de sens de faire ça. Vous pouvez également mettre un lien vers votre site internet, vers votre Instagram, voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez apporté toutes les modifications nécessaires, vous faites enregistrer en haut à droite. Vous cliquez, ça s'enregistre. Et là, vous aurez vos fiches en haut à droite avec le petit bouton i justement. Donc en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. À liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. C'était Ouija, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.